Zegan negarrez, bisabizean ume bat parrez, arrasituta dagon herri hau, bete nahiean biarrez, bete nahiean biarrez. Baionan eta Bilbon elkartu, gara gaurri una barrez, babakigulako aurrez, harrian mugi daitezkela, maitasunaren indarrez, maitasunaren indarrez. Naiz pausoz pauso eta urtez urte, hitzak doazen igatuz, ta hor gabiltzan hor mazarroiei, zulorik ezin bilatuz. Aurten Bilbotik Baionaraino bagatoz aldarrikatuz, Euskal Herriak ikasi dezan mugaren gainetik kantuz, ta horma hoiek bota ditzagun bi aldetatik tiratuz, bi aldetatik tiratuz. Dauden Espainian nola Frantziari mugitu nahi ez duen ziekako giltzari, gehiegi sustraitu nahi duen sasiari, gaur Bilbon ez dagoen lehendakariari, bultza harriari, Euskal Herriari, eta batipat eutxi ilusioari. Ez dira gauza bera liberte, ta gure askatasuna, beraientzat da lege barruan egitea alduzuna. Guretzat aldiz elkarrizketan sortutako ondasuna, naiz eta ustez beraien alde daukaten etorkizuna. Arma bat dugu esku artean, herriaren maitasuna, larai, 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 herriaren maitasuna. Herri, gauan hainbeste nugirik unat etorririk, urtahilaren bederatzionetan, milaka eta milaka lagun, amar mila inguru bildu gira Baionan, eta milaka ere bai Bilbon. Ehunka lagunek, astero-astero, bizitu behar izaten duten sufrikario bidegabea salatzeko. Lau urte pasatzo dira etak armak erabiltzeari utzi zionetik. Denbora horretan, Euskal Herritarron arteko harremanak hainitz normalizatu dira.
pentsaera bateko eta besteko gizan emaztean arteko tratua hainitz goxatu da. Baina, badira aldatu ez diren gauzak. 4 ans ont passé et la politique pénitentiaire des États espagnols et français est toujours aussi cruelle. 4 ans ont passé depuis que l'ETA a définitivement cessé la lutte armée, depuis que le collectif des prisonnières et des prisonniers est entré dans le processus de paix. Mais les gouvernements espagnols et français poursuivent leur implacable et mortifère politique pénitentiaire. La dispersion oblige des centaines de familles à faire de très longs déplacements chaque fin de semaine, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Un coût économique et humain qu'il est intolérable de subir plus longtemps. Il y a 3 ans aussi que le collectif des exilés basques a présenté sa feuille de route et que plus d'une centaine d'exilés sont rentrés chez eux. Mais d'autres ne peuvent pas le faire sans subir la répression et vivent dans des situations très difficiles. Pourtant, le processus de paix est en marche, mais de façon unilatérale, car les États espagnols et français, à contresens de ce nouveau contexte historique, font tout pour le bloquer en s'obstinant dans la voie répressive. Pourtant, le processus de paix est en marche. Le changement a commencé, mais de façon unilatérale. Car les États espagnols et français, à contresens de ce nouveau contexte historique, font tout pour le bloquer en s'obstinant dans la voie répressive. Diru asko eskatzen du hainbeste kilometro egiteak. Horrez gain, lan edo eskola orduak galdu beharra ere badakar. Eta arriskua, etengabeko istripu arriskua. Jada, 16 lagun hil dira dispertsioak eragindako bidaietan. Nous nous adressons directement au président Hollande et à son gouvernement. Il est inacceptable qu'Ibonne Fernandez Iradi, Lorencha Guimond, prisonnier gravement malade, soit encore en prison. Il est inacceptable que celles et ceux qui ont droit à la libération conditionnelle, Yon Kepa Parot, Chistor Aramburu, Yakesh Eshnal, Itchacho Saldua, Lorencha Beiri et tous et toutes les autres soient encore en prison. Il est inacceptable que règne la dispersion et l'éloignement. Nous le disons aujourd'hui solennellement. Le gouvernement français est responsable de ces situations et devra rendre des comptes. Borondatea, gauzak adaltzeko borondatea, gure gizartean jada eman diren aldaketari egokitzekoa. Presoen sakabanaketa ezin da ulertu mendekuaren ikuspiritik ez bada. Eta gobernu batek ezin du parametro horien bitartez funtzionatu. Sufrimendua areagoatuz ez da ezer lortzen, ez da aurrerako urratsik emaiten. Mina antzua da, idora, alferikakoa. Il n'est pas admissible que la politique pénitentiaire d'un gouvernement soit régi par l'idée de vengeance. Il est temps de dire stop, ça suffit. Halte aux souffrances volontairement infligées. Halte aux politiques inhumaines. Nous en appelons aux organisations démocratiques et à la population pour qu'elles prennent la parole et se mobilisent en masse pour dire et exiger stop, ça suffit. Nous sommes indignés et très en colère. Ce que nous voulons, c'est la libération immédiate de celles et ceux qui sont gravement malades. C'est la libération immédiate de Lorencha Guimond. C'est la libération immédiate de celles et ceux qui ont droit à la libération conditionnelle. Ce que nous voulons, c'est le rapprochement immédiat de tous les préchauds. Et nous poursuivrons et intensifierons la mobilisation
jusqu'à la libération de toutes les prisonnières et de tous les prisonniers, jusqu'au retour de toutes les exilées et de tous les exilés. Saltabanak eta baldintzapekoak berehala aska ditzaten lortu behar dugu. Gure lana segitu beharko dugu, azken presoak askatua izan arte eta azken ieslaria sartua izan arte. Aski da! Mugarria bezala dirao Espainia eta Frantziako gubernuen kartzela politikak. Geldirik lehenian, iraganean, itzultzaturik baina mugarriak ere mugi daiteke. Horregatik, bildu gira gaur Baionan eta Bilbon. Denon artean indar eginez mugituko dugulako argi pisua. Gutxa dezagun denok, mugi daitezen argiak. Bultza egogo hortikan, ta bultza egin. Emetikan ikosi gore nola nola laste eroriko da Guzieri unat dinik, orain ekitaldia bukatzeko Siberut Siberutak taldeak Didier Ager presoaren kantu bat eginen digute karpa azpian eta pote bat hartzen alko duzie goxoki. Donc pour finir, merci à tous d'être venus. Pour finir le meeting, il y a le groupe Sous le Teint Siberut qui va jouer une chanson du prisonnier politique Didier Ager et vous pourriez boire un petit coup tranquille au bar. Mileskar Beneri.